Only a few years ago, a diver observing this underwater landscape in New Caledonia would have felt privileged to be swimming among one of the richest ecosystems in the world. The myriad of shapes and colours before him were the expression of the diversity of life forms. This coral reef ecosystem fed and sheltered hundreds of different species which coexisted and developed in a seemingly sustainable ecological balance. But today, the diver would immediately feel that he is looking at a coral reef struck by a strange disease, a devastated and deserted underwater landscape. Here and there, among algae, small coral colonies are starting to reappear and regrow. But what happened and why? To answer these questions, let's travel back in time to see the reef as it was when everything changed. Here, in the world of coral, white is the colour of death, the colour of the coral's calcareous skeleton. Rapidly increasing water temperatures are often blamed, but here the polyps which fed the coral and the tissue which protected it and gave it its bright colours have been digested by the enzymes secreted by the stomach of crown-of-thorn starfish. As it looks like a crown of thorns, it is most commonly known as the crown of thorns starfish, or COTS. COTS outbreaks have been occurring for about 30 years in the Pacific Island region, from the Great Barrier Reef in Australia all the way to Japan. But how to explain these massive and devastating infestations, these COTS population explosions? Les acanthastères font partie du récif depuis les temps géologiques. En fait, c'est une composante essentielle de l'écosystème corallien, puisque par leur préférence alimentaire, elles vont consommer les espèces de coraux à croissance rapide et de ce fait libérer de la place, donc un espace, une niche écologique, pour les autres espèces de coraux à croissance plus lente. Et ce faisant, en fait, elles contribuent à maintenir la biodiversité corallienne dans les récifs, ce qui est très important parce que c'est ce qui sert de base à la résilience, à la résistance de l'écosystème dans son ensemble face aux pressions, face aux pollutions, face aux diverses menaces qui pèsent sur le récif. Dans des conditions naturelles, on rencontre peu d'acanthastères, quelques individus par hectare. Et dans ces conditions, elles jouent leur rôle. Le problème survient lorsque, à la suite d'un déséquilibre, qu'on a encore du mal à expliquer, ces populations explosent de la façon analogue à un nuage de sauterelles qui dévaste les milieux terrestres. C'est la même chose. Lorsqu'elles sont en explosion démographique, nos voisins anglo-saxons disent « outbreak », c'est là qu'en fait, ce déséquilibre pose problème pour le récif. In the Pacific, over a third of all coral reefs have been struck by these infestations, and it is thought that almost a quarter has been destroyed over the last 30 years. In addition, coral reefs are facing other threats, increasingly intense cyclones, rising water temperatures, and the effects of human activity. J'ai l'habitude d'en voir une ou deux par plongée, et sans oser y toucher, parce qu'effectivement les piqûres sont très douloureuses. Et puis bon, à petite quantité, ça fait partie de l'écosystème, donc ils ont un rôle à jouer. Mais quand on voit telle quantité là, vraiment ça fait penser à une grosse maladie, plein de virus qui s'attaquent à un récif qui est en bonne santé et qui est complètement détruit quand on remonte un petit peu le filon. Tout est détruit. Quand on avance vers le front des acanthastères, c'est encore vivant, mais il y a des traces blanches partout. Et franchement, c'est triste à voir. They're everywhere, on top of each other. I've seen down in South Santa, I've seen the whole reef just absolutely finished. And there's still hundreds of crown of thorns still there. Everything was there. Because I remember 50 years ago, I used to do underwater photography and up in the Barrier Reef. And you were lucky if you saw one crown of thorn. One.
It was a big deal that you could take a photo again. L'acanthastère est une espèce à sexe séparé, il y a des mâles et des femelles. Au moment de la reproduction, en fait, qui est déclenchée souvent par un stimulus de température, les acanthastères sortent de sous les coraux où elles sont cachées et vont prendre une position tout à fait typique, s'arc-bouter sur le haut du récif et émettre leurs gamètes. Donc c'est quelque chose qui est difficile à observer par les plongeurs parce qu'il faut être là juste au bon moment. Donc on a véritablement des nuages de gamètes émis dans l'eau qui se mélangent, qui se fécondent, qui donnent naissance à des larves. Ces larves vont dériver quelques jours entre 10 et 30 jours en fait dans la colonne d'eau, avant de tomber au fond, de se métamorphoser, c'est ce qu'on appelle l'installation des larves, et de commencer une vie sur le fond. Et c'est très difficile de les localiser parce qu'à ce stade, les petites acanthastères mesurent moins d'un centimètre et se cachent dans les zones détritiques profondes. Donc en temps normal, les plongeurs ne les observent pas. Ces larves ensuite vont être petit à petit attirées par les zones coralliennes et au fur et à mesure de leur développement, elles vont remonter vers la surface pour atteindre les zones de densité maximale des coraux. Une des hypothèses qui expliquerait la recrudescence de ces outbreaks au niveau régional tient justement à l'augmentation de la survie des larves liée au changement climatique et aux pratiques humaines. D'abord, la température. En augmentant la température de surface, on raccourcit le temps de développement de ces larves et on leur permet donc d'échapper aux prédateurs, puisque cette première phase larvaire est celle pendant laquelle elles sont les plus sensibles à tout un tas de prédateurs du plancton. Ensuite, en fournissant davantage de nourriture à ces larves, on augmente également leur survie. Et comment leur fournit-on de la nourriture? En produisant du plancton. Or, on le sait, avec le lessivage des eaux côtières qui arrivent au niveau de la mer, elles entraînent des fertilisants, des polluants, qui provoquent des explosions de plancton, ce qu'on appelle des blooms. Et ces explosions de plancton nourrissent les larves d'acanthastères et vont, pareil, augmenter leur survie. À l'état adulte, les acanthastères ont peu de prédateurs. Étant donné leur taille et leurs épines, seules quelques espèces sont suffisamment armées pour les consommer. Il y a d'abord la conque, le triton ou la toutou dans Calédonie, ce gros mollusque, et certains poissons comme les napoléons ou des gros balistes. En dehors de ces espèces, finalement, peu d'autres prédateurs existent pour l'acanthastère. Par contre, sur les juvéniles ou les larves, il y a beaucoup plus d'espèces susceptibles de les consommer, notamment des crevettes, tout un tas d'autres organismes. Des prédateurs est une des explications possibles des outbreaks. Ce n'est pas l'explication principale, mais elle pourrait contribuer. Par exemple, pour la toutoute, qui est un mollusque qui a été abondamment pêché dans tout le Pacifique, dont les stocks se sont effondrés dans la plupart des endroits pour les vendre aux touristes. Les napoléons sont aussi des espèces qui sont pêchées, dont les populations ont diminué. La diminution des prédateurs n'est pas en soi une explication suffisante pour déclencher les outbreaks, mais elle peut contribuer à dépasser ce seuil au-dessous duquel on est dans une population normale et au-dessus duquel on passe en explosion démographique. In an outbreak, coral colonies are overwhelmed by a massive number of cots and it's time to counterattack. Throughout the Pacific Island region, communities, divers, fishers and scientists, all volunteers, are mobilizing to contain the devastating consequences of the ravenous appetite of millions of cots. Many economic activities suffer as a result of an outbreak, and subsistence fishing and tourism are hit particularly hard. To contain these impacts, the tourism industry and coastal communities have turned to the Vanuatu Fisheries Department, whose staff travel regularly throughout the island group to support the war against cots infestations. An integrated action plan was launched in 2014 with scientific support from the French Research Institute for Development, or IRD. In 2014, I was staff Lopokisa. My husband, me, one staff Lopokisa, senior captain.
Me drive and boat by car makata drive so li koran lo pokisa resort. Ano li drive after li pikim apol kata li car makata kaman tap. Oli boil lemon pick for la tram. Water hemi boil after li putu mo stone fish e coincide. I boil oli dead oli dikim hole after li peremol kata inside. Whenever it happen, me will look, me will frighten him, blot touch him. Be hemi continue blot crow, I can't pick one. The time I got one clearing with the fisheries will make him clean up all reef blow me fly, lo place and me fly look so someday if he needs me. And that time when me fly walk part with us, lo reef, me fly no more frightened, from me no more partner. I start finishing. So it was not until 2011 that the Crown of Thorns that started here in Mellee Bay had travelled past Devil's Point, around past Tuktuk, and we're now coming into the area where we traditionally took scuba divers and really keen snorkelers. So we could see them moving towards us, and we started to organise volunteers to go out and take out the front runners. There seems to be like a group of scout Crown of Thorns that come through first, and they send out pheromones that advise the others where the best reefs are, and then suddenly you're inundated with thousands of these Crown of Thorns. Reefs that have been totally destroyed by the Crown of Thorns, you'll see white scars. That's an indicator for us to find where there is an outbreak. Now, the method we were using was developed by Big Blue Dive in Mellee Bay back in 2007 through to 2010. We were using a flour bag like this and a hook. You develop a technique where you hold the bag into the current so the mouth opens, and you scoop it up and then you pop it in the bag. Now, and then you leave the bag in the water for 2 days and they die of lack of oxygen. We more or less had to set a line in the sand where it was like a Maginot line. You are not going to come across this line, right? So we got the resources of volunteers and boat and scuba equipment and so forth, and village volunteers. And it takes a lot of determination, but you can actually stop them if you really want to. We have some of the best coral reefs now in our area of operations, probably better than you're going to find most places around Apate, and probably even the outer islands. Potentially, those reefs are in good condition now. While this fight against the Crown of Thorns seems to be beneficial for the ecosystem, is it backed by all environmental managers? Il y a eu des débats, de nombreux débats, qui continuent encore actuellement au sein de la communauté scientifique sur la pertinence d'intervenir en nettoyant, en enlevant ou pas les acanthastères. D'un côté, on a le fait que l'acanthastère est donc une composante naturelle de l'écosystème, et qu'en tant que tel, l'être humain n'a pas à intervenir. L'autre côté, c'est les dégâts qu'on observe sur les récifs, surtout de nos jours, où avec les nombreuses pressions qui pèsent, le réchauffement climatique, l'acidification, les pollutions, on n'est pas du tout sûr qu'un récif attaqué sérieusement par les acanthastères puisse se régénérer. On observe ça tout au long du Pacifique. Quand on travaille en particulier avec des pays dont les gens sont fortement dépendants des ressources de leurs récifs, comme le Vanuatu, Fidji, ces petits pays du Pacifique, là effectivement la question se pose différemment et on peut difficilement rester insensible et ne pas intervenir. Or il existe à l'heure actuelle des méthodes efficaces qui permettent à l'échelle d'un récif de limiter la pression et les dommages que font subir les acanthastères au corail. In New Caledonia, Pascal Dumas and his IRD colleagues have called on lagoon stakeholders for support in collecting data on the status and location of COTS populations. Their participatory scientific approach is implemented through the Orianet application and website, which features a database informed by the observation reports logged by stakeholders. Dès qu'on va en plongée, quand on rencontre un nombre élevé d'acanthastères, on essaye de penser en rentrant à le référencer au mieux possible. Later, the scientists will in turn feedback information to its contributors
making it accessible to the greatest possible number of people. On a été prévenu en juin de l'année dernière par un usager du lagon qui nous envoyait un rapport à travers le site d'observation. Il nous indiquait en avoir vu à peu près une cinquantaine et donc on est allé vérifier. Et on s'est aperçu qu'effectivement tout le récif ici, toute la partie profonde était infestée d'acanthastères. Une fois qu'on s'est aperçu de la réalité de l'infestation, on est revenu pour quantifier le phénomène, c'est-à-dire faire des comptages, être capable de dire combien il y en a, quelle profondeur, et ensuite de tester nos systèmes d'injection pour s'en débarrasser. Au Vanuatu, on a développé ce type de méthode en fin 2014 avec nos partenaires du service des pêches. On a réussi à mettre en place un système d'injection avec du vinaigre ou du jus de citron qui est peu coûteux, très efficace. Injections of 10 milliliters of vinegar or lemon juice are needed to achieve 100% cots mortality over a 24-hour period. A single injection isn't effective because the cot's ability to regenerate is such that it can fragment and lose a dying part of its body and regenerate it later. Studies aiming at understanding the cellular mechanisms involved in the cod's destruction process are currently conducted in partnership with the Vanuatu Fisheries Department. Crown of thorns are taken to be studied in the aquarium's tanks. Actuellement, la méthode qu'on a développée récemment au Vanuatu fonctionne très bien, ces injections acides de vinaigre et de citron. On essaye d'aller plus loin et avec le soutien de nos partenaires, l'Aquarium des Lagons et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, on essaye de trouver d'autres formulations encore plus efficaces, plus faciles à transporter ou à mettre en œuvre, qui pourraient bénéficier à tous ces petits pays de la zone pacifique qui ont peu de ressources et pourtant qui sont confrontés à ce phénomène. Le suivi participatif est quelque chose de fondamental ici, puisque étant donné la superficie de la Calédonie et de ses récifs, en fait, on est beaucoup trop peu nombreux, nous les scientifiques, pour surveiller les populations d'acanthastères. Or, cette bascule, en fait, survient en très peu de temps, en quelques mois, une population d'acanthastères en explosion peut totalement dévaster un récif, un îlot tout entier. Et c'est là que la plus-value de cette approche est vraiment évidente. On fait appel aux plongeurs, aux plaisanciers, aux pêcheurs, à tous les gens qui sont sur le lagon, il y en a beaucoup. Et grâce à eux, on a vraiment un œil partout dans les zones, même les plus reculées. Et c'est grâce à ça qu'on espère pouvoir endiguer le phénomène acanthastère en Calédonie.